Bonjour, Audrey, championne d'ici. Comment j'ai découvert le tennis? Grâce à ma maman et à mon frère. Ma maman, elle était présidente d'un club de tennis en Dordogne. J'ai commencé justement les compétitions un peu tard, vers 9-10 ans, et là où j'ai commencé à bien jouer, c'était vers mes 14 ans. Je suis très vite montée à partir de mes 18 ans, 19 ans, où là j'ai commencé à être dans les meilleures françaises, où je suis montée en seconde série, mais en numérotée. Du coup, cette année, c'est la première année où je suis première série. Il y a des périodes où c'est la grosse charge d'entraînement et là c'est 5 heures par jour avec le physique en plus. Là vu qu'il y a les tournois, on réduit un petit peu. Le plus important déjà, les chaussures de tennis. Ensuite, il y a les raquettes. Bon, moi je tends à 26. Celle-là je les mets au milieu. Donc ça, toujours avec moi en tournoi ou même aux entraînements. Primordial aussi, les surgrips. Enfin, tout le monde n'en met pas, mais moi, j'en mets. Il y a l'élastique pour un petit réveil musculaire. Pour finir, mon petit doudou porte-monnaie qui est toujours avec moi. Mon objectif, c'est de rentrer dans le top 100. Je me laisse encore quelques années pour atteindre ça. Et voilà, enfin après, donner le meilleur de moi-même, aller où je peux aller, qui est nos limites.